Les fans de comics vivent une époque assez incroyable. Je me souviens de ces mots d'Eric Larsen prononcés dans un édito de Savage Dragon il y a une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Il s'exprimait et disait que quand lui lisait les comics avant de devenir lui-même scénariste et dessinateur de comics, avant de connaître le succès avec Spider-Man et Savage Dragon, eh bien que pendant très longtemps, les comics n'étaient pas réédités. Et ils sortaient. Et si vous les aviez ratés, eh bien, soit il fallait les trouver dans les boutiques, en faisant le tour des boutiques de votre quartier ou de votre ville, soit eh bien, il fallait prendre son mal en patience. Depuis maintenant 20 ans, les comics sont réédités de façon massive. D'abord parce qu'il y a la volonté des éditeurs de créer ce qu'on appelle des story arcs, c'est-à-dire des histoires en 6 parties, 12 parties, qu'on peut réunir dans un seul album, soit parce que, tout simplement, eh bien, le marché a évolué et que désormais, il y a la volonté de proposer des choses appuyées, c'est sûr, par un élan de nostalgie. Parce que, eh bien, comme tout le monde, on est rattaché aux choses qu'on a aimées avant. On aime les premiers Star Wars parce qu'on les a connus enfant. On aime certains comics parce qu'on les a lus en grandissant. On aime certains films parce qu'ils font partie de notre patrimoine et que si on les avait découverts 10 ans après ou 10 ans avant, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le même impact. Aujourd'hui, ce sont les années 90 qui sont à l'honneur et longtemps décriées, ces années 90 nous ont offert non seulement des artistes de légende, mais aussi des séries complètement cultes. On voit avec le succès de Spawn, on le voit avec le succès de Wildcats à venir, qui va être réédité, vous le savez. Il y a un véritable engouement pour ces années 90, pour cette époque bénie des dieux, dans laquelle la créativité et le talent étaient mis à l'honneur et dans lequel eh bien, le public se retrouvait, puisque pour certaines séries, ce sont des centaines de milliers de lecteurs qui se sont déplacés, mobilisés, et pour d'autres, ce sont des millions de lecteurs, évidemment. Marc Silvestri fait partie, vous le savez, de ces légendes. Elle fait partie de ces auteurs qui ont marqué les comics à toutes les époques. Années 80, années 90, années 2000, années 2020, 2010 et 2020. Puisque, vous le savez, il revient sur un Batman qui sera publié par Urban Comics dans les prochains mois, hein, ça arrive en novembre. Le Batman et Joker Deadly Duo, qu'il a entièrement dessiné, 7 numéros pour une maxi-série d'anthologie. Aujourd'hui, l'œuvre de Marc Silvestri, grâce aux éditeurs français, notamment, mais également de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, est rééditée. Et vous avez la possibilité, en 2023, de lire les 3 séries créées par Marc Silvestri en version française. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, on ne l'aurait pas cru, d'abord elle n'était pas éditée, mais en plus, ça paraissait à la fois lointain et complètement fou d'avoir ces séries. Alors, Marc Silvestri, il a créé d'autres choses, hein, vous le savez, il a créé Witchblade notamment, qui n'est toujours pas réédité. On nous pose souvent la question de savoir est-ce que Witchblade sera réédité. Je ne sais pas, d'abord, il y a énormément d'épisodes, donc il faut trouver le bon format, hein, il faut trouver la bonne façon de le faire, il faut trouver évidemment le lectorat, parce que si Witchblade s'est arrêté il y a quelques années chez Delcourt, c'est simplement faute de lecteurs, hein, donc c'est très très compliqué de relancer une série. On a vu que ça pouvait être auréolé de succès, comme avec Invincible, mais Invincible a été appuyé par une série sur Prime Video. Aujourd'hui, il n'y a aucune actualité sur Witchblade, et partir tout seul pour Delcourt, la fleur au fusil, est un vrai risque. Donc peut-être que s'il y a un projet multimédia qui arrive dans les 12 ou 24 ou prochains mois ou même plus, eh bien peut-être qu'on aura la chance d'avoir ces magnifiques éditions que nous avons aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, grâce à Kickstarter, les intégrales reviennent et puis après arrivent en librairie en version originale. Marc Silvestri, je vous l'ai dit, c'est un auteur qui a créé le studio Topco, qui a fait naître toutes ses séries, Cyberforce, Darkness, mais aussi Witchblade, on l'a dit, des séries comme 8.0, des séries cultes comme Hunter Killer qui sort la semaine prochaine, mais il a aussi fait naître un nombre de talents absolument incroyables. On peut citer évidemment David Finch, bien entendu, Michael Turner, la légende, forcément Joey Benitez, dessinateur, vous le savez, de Lady Mechanica, Lady Mechanica qui revient, hein, en octobre avec le 8e tome, vous le savez.
Nous avons donc un vivier de talent, nous avons du génie et nous avons surtout ces bouquins qui sont disponibles. Nous avons ces bouquins qui sont à nouveau disponibles et ça, c'est quand même génial. La série fondatrice, c'est Cyberforce, créée en 1992 par Marc Silvestri et son frère. Première mini-série de 4 parties, puis un soft relaunch avec un nouveau numéro 1 et le crossover Killer Instinct avec Wildcats qui est arrivé très très vite. Marc Silvestri qui sortait des séries Wolverine puis X-Men puis Wolverine a quitté Marvel comme tous les grands auteurs Marvel de l'époque hein, comme Jim Lee, Todd McFarlane et les autres pour créer Cyberforce qui fut un véritable phénomène hein, 700 000 exemplaires pour le numéro 1. À l'époque, ça a été absolument légendaire. Alors, c'était une reçue CD X-Men. Hein. Vous voyez, les personnages ressemblent un petit peu. On dirait Psylocke, on dirait Wolverine, on dirait Colossus. Les personnages ressemblent un petit peu à ce qu'on a connu chez les X-Men. Mais là, c'était ses créations, ses personnages, et il les a fait vivre. Grâce aux éditions Réflexion, nous avons droit à Cyberforce. Et grâce à leur travail, Cyberforce est de retour en France. Et c'est un phénomène. Alors, en plus, il y a eu une foultitude de couvertures variantes, hein, vous le savez. Des couvertures en série limitée, celle-là à 150, les deux à 150 exemplaires, donc ça c'est vraiment des couvertures magnifiques. Et le tome 2 arrive cet été, et ça c'est quand même une formidable nouvelle, puisque sur ses réseaux sociaux, les éditions Réflexion a confirmé la sortie imminente du tome 2, et vous allez pouvoir découvrir la suite, et c'est un bonheur. Vous le savez, Darkness, on en a parlé beaucoup l'année dernière, Darkness, une série créée par Marc Silvestri et Garcenis, hein, Garcenis, le scénariste de The Boys. Série culte hein, qui a fait l'objet de 2 jeux vidéo. Le premier avait été un succès mondial. Le deuxième avait un petit peu moins bien marché, semble-t-il. Ce qui a tué, évidemment, tout de suite, tout projet de suite dans l'œuf. Série complètement folle d'un mafieux qui découvre des pouvoirs un peu comme Witchblade, rattaché à la nuit et aux ténèbres. C'était tout simplement exceptionnel et c'était magnifiquement dessiné. Parce que c'est ça la force de Marc Silvestri, c'est d'avoir, tout au long des années, au fil des ans, il a tout simplement été la personne qui a porté son studio. C'est-à-dire qu'il a lancé des talents, il a lancé des séries, il a pris des paris un petit peu fous, il a publié Mark Millar avant que Mark Millar soit une méga star sur Wanted, et surtout, tous les 5 ou 10 ans, il a lancé un énorme concept. Il a lancé Cyberforce, il a lancé Witchblade, il a lancé Darkness, et puis après, il a lancé Hunter Killer, dont on a déjà parlé et dont on reparlera, parce que c'est une série. Et il a lui-même dessiné ses séries. Alors, il n'a pas toujours tout dessiné, puisque très vite, il s'est fait remplacer par un de ses lieutenants, par un de ses élèves, mais il a lancé ses séries avec brio et talent, et il a mouillé le maillot pour que son studio vive et pour que ses créations vivent. On espère un jour, évidemment, un retour de Witchblade et Darkness dans de nouvelles aventures tout aussi spectaculaires. Sachez que Darkness a même rencontré Batman, hein, parce que vous le savez, Batman, c'est l'actualité de Marc Silvestri. Il a rencontré Batman et c'est dans le tome 3 de Darkness que vous redécouvrez ces épisodes. Et ça, c'est absolument fabuleux puisque non seulement Marc Silvestri dessine des pages, mais qu'il est aidé notamment par David Finch et que ça envoie du pâté. Et puis, bah, vous le savez, l'actualité, c'est donc la dernière création chez Topco de Marc Silvestri. Qui est une maxi-série en 12 parties, réunie aujourd'hui dans une magnifique intégrale grand format. Regardez la différence de taille, elle est assez folle. Hein. Donc format prestige, format deluxe pour cette série. Hunter Killer, qui est la somme et de tout ce que Marc Silvestri a pu faire et a pu aimer et a pu créer tout au long de sa vie. Il y a un petit côté X-Men avec ces gens qui développent des pouvoirs et qui sont pourchassés. Il y a un côté cybernétique qui rappelle Cyberforce. Il y a un petit côté techno-organique qui rappelle Darkness. C'est tout simplement une prouesse graphique absolument fabuleuse. Des grandes pages, une édition somptueuse et surtout la chance d'avoir ces épisodes à nouveau, d'avoir ces épisodes qui sont disponibles. Est-ce qu'on aurait pensé il y a 10 ans avoir Cyberforce, Darkness, les 5 tomes sont disponibles, et Hunter Killer, les créations de Marc Silvestri, toutes disponibles? Eh bien, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a la chance, on a de la chance. Souvent, j'entends les lecteurs de comics se plaindre de beaucoup de choses. Eh bien, ce marché est d'un dynamisme fou. Les éditeurs se mouillent le maillot. Les éditeurs ont aussi compris que la nostalgie était porteur et que les gens qui étaient plus vieux, qui avaient aimé les comics des années 90, aujourd'hui, avaient grandi, vieilli et avaient du
pouvoir d'achat, donc pouvaient s'offrir ce type de série, eh bien, aujourd'hui, elles sont disponibles. Et il n'y a pas de meilleure époque et de meilleur moment pour aimer les comics, puisque c'est tout simplement quelque chose de génial d'avoir toutes ces belles éditions. Souvent, je me fais la réflexion, je me dis, ma collection, au bout d'un moment, elle va être figée. Moi, je deviens comme tout le monde, j'ai tendance à préférer ce qu'on faisait avant par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et à chaque fois, les éditeurs nous ressortent des trucs comme ça et des séries absolument folles. Et là, je me dis, mais c'est génial d'avoir ces séries, quoi. C'est tellement un plaisir, c'est tellement un bonheur, c'est tellement un honneur de les avoir que finalement, ce serait vraiment trop bête de ne pas les prendre. Et du coup, ma collection continue de grandir, j'en ai partout. Le jour où je déménage, je ne sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas prévu tout de suite, donc tout va bien. Hunter Killer, ça sort la semaine prochaine. Il y a deux éditions, il y a une édition classique avec une couverture de Marc Silvestri et il y a une édition collector 300 exemplaires avec la couverture de Monsieur J. Scott Campbell. C'est une exclusivité Original Comics, c'est une exclusivité et c'est à saisir. Vous le savez, on fait des éditions collector, on en a fait sur Phasom, on en a fait sur Spawn, on en a une autre sur Spawn qui arrive avec la malédiction de Spawn, on en a fait sur... Spawn, un livre anniversaire, Topco et donc Delcourt nous fait évidemment confiance dans ces couvertures. Pensez évidemment à les mettre en avant et pensez à les commander. Elles sont cultes, elles sont collector, des grands noms, des belles couvertures, des magnifiques éditions. Je vous invite évidemment à craquer pour ces sublimissimes couvertures. Bonne lecture, pensez à prendre ces comics, je vous mets tous les liens en descriptif de la vidéo. Marc Silvestri est de retour, on a de la chance d'avoir de si belles éditions, profitez-en, salut.